Horoscope Balance du 19 novembre 2023. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. L'entente sera parfaite dans le couple. Bien que vous soyez davantage préoccupé par votre position sociale, professionnelle ou matérielle que par vos amours, des projets communs pourront vous rapprocher de votre partenaire malgré de petites disputes au sujet des finances. Célibataire, la solitude vous pèsera cruellement et les aventures sans lendemain vous laisseront insatisfait. N'allez pas pour autant vous engager à la légère dans le seul but de ne plus être seul. Une rencontre importante se produira bientôt. Alors prenez patience. Horoscope Argent. Mercure en aspect disharmonique sèmera la pagaille. Dans l'hypothèse très probable où vos dépenses seraient bien supérieures à vos ressources, de deux choses l'une, soit vous ferez l'effort de vous priver, soit vous plongerez dans le rouge et là, attention aux fâcheuses conséquences. Horoscope Santé. Mercure régira cette fois l'un des secteurs de santé de votre thème natal. Comme il s'agit d'une planète positive, vous ne devriez donc connaître aucun problème. Attention toutefois à l'une des facettes de Mercure, qui pourra parfois rendre très nerveux. Si cela vous arrive, n'hésitez pas à avoir momentanément recours à des médicaments anti-stress, homéopathiques ou à base de plantes. Horoscope Travail. Côté travail, vous ne manquerez pas d'esprit d'initiative. Il faudra pourtant vous méfier d'un optimisme béat. Évitez de vous lancer dans des entreprises totalement irréalistes où vous irez droit à l'échec. Horoscope Famille. Des difficultés avec les parents pourront résulter de votre manque de tact ou d'un autoritarisme excessif. Des jalousies pourraient naître entre frères et sœurs au sujet d'un prêt consenti par un père, un oncle. Horoscope Vie sociale. Avec la présente configuration astrale, personne ne saura vous résister. Votre optimisme et votre énergie vous aideront à mettre tout le monde dans votre poche. Vous serez votre meilleur avocat, capable de convaincre par la parole les auditeurs les plus réticents.